Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une run avec Blue Baby, puisque c'est le seul personnage. Enfin, c'est pas le seul personnage, il me reste encore Maggie avec qui il me reste encore un truc à faire, mais les autres persos, globalement j'ai tout fini. Donc, du coup, on va faire Blue Baby, puisqu'il reste de l'emb à faire. Donc, en espérant que ça se passe. Non, mais là, voilà, ok, d'accord. Vous voulez la jouer comme ça direct au début, quoi. Mais vous êtes des méchants! Incroyable ça! Allez! Donc, eux, je rappelle le. C'est le prix, c'est un cœur direct hein, si on se fait toucher par ces grosses merdes là. Ok, donc là, fais-moi rêver. Ouais. Bon, un cœur c'est toujours bon, mais j'aurais préféré du dommage. Donc Blue Baby, personnage que je détestais. Voilà, vas-y, fais de la merde. J'ai détesté dans Isaac 1. À cause de sa difficulté à jouer. Donc cette carte je vais attendre avant d'utiliser puisque j'ai pas beaucoup de clés donc ça n'a pas d'intérêt de dédoubler pour l'instant. Je détestais Blue Baby. C'est vrai que quand on a joué à The Lost, Blue Baby nous paraît être une sinécure à côté. C'était vraiment chiant hein, dans Isaac 1, Blue Baby, parce qu'on pouvait pas avoir de cœur. Mais bon, de toute façon, Isaac 1, c'est. Le spawn des cœurs et des objets, finalement, était assez différent. Puisque, comme le jeu était en flash, on ne pouvait pas réadapter, corriger un petit peu le tir. Ils ont jamais pu patcher. Ok, magnifique. Donc quand ça allait pas, ça allait pas. Vous voyez. Tandis qu'à Isaac Rebirth, ils ont déjà corrigé le spawn des clés, par exemple. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est difficilement comparable finalement. En définitif. Les deux Blue Baby des deux versions. Parce que maintenant c'est beaucoup moins galère à jouer finalement Blue Baby parce qu'ils ont quand même corrigé pas mal de trucs au niveau du spawn et de la répartition des objets et des cœurs aussi hein. Ça reste aléatoire mais je pense qu'ils ont largement modifié leur algorithme. Après je sais pas hein, je suis pas programmeur, du moins j'ai jamais mis le nez dans le code de Isaac Rebirth hein, donc ça c'est de la merde. Donc du coup, difficile de savoir véritablement. On est sur un XL. Ah ouais, on est sur un XL, donc faut aller chercher. Donc difficile de savoir véritablement ce qui a été amélioré et de quelle manière ils ont agencé tout ça. Mais j'imagine que tout a été corrigé. Et pas uniquement au niveau des bugs, mais aussi, je vous dis, au niveau du spawn des ressources. Alors qu'on a un petit Jean-Roc là qui se balade derrière. Moi les gens rock j'aime bien les faire péter. Donc toi tu m'énerves. Voilà. Ouais, bon. Super. Objet de merde. Alors est-ce que non. Voilà. La Dark Candle, j'en ai rien à secouer. Mais j'ai fait ça. J'ai fait ça. Vous avez bien vu. Alors là, je me retiens de dire que c'est absolument grandiose. Alors là, en plus du coup, j'ai mes deux objets. Fais chier. Heureusement que je ramasse des cœurs parce que dis donc. Du coup, je sais même plus si j'ai trouvé la salle du boss. Mémoire de poisson rouge. Saloperie. Tu m'emmerdes. Va-t'en. Oh, il le pousse, c'est énorme.
Ah ouais, alors lui pour l'avoir. Putain, mais il se fait malmener le. La mouche. Alors qu'un petit genre rock au milieu. Oh putain, il est bugué le truc. Vas-tu sortir de là? Ah, c'est pas gagné. Voilà, donc là, dans ces conditions, il n'y a qu'une chose à faire. On reset la salle. Parce que sinon, dans 1000 ans, on y est encore. J'aurais pas craché sur une bombe là, tu vois. Un petit genre rock comme ça qui se montre que c'est pas passé loin. C'était particulièrement idiot ce que je viens de faire. Donc là, je pourrais doubler mes clés. Encore attendre. Cœur éternel, c'est pas mal ça. C'est toujours bon à balancer pour les salles de deal. Ah putain, c'est vraiment dommage que j'ai pas une bombe. Putain, c'était juste. Heureusement qu'il a pas lâché le bas de son corps parce que du coup j'étais dans la merde. C'est un pari, hein. C'est un pari. Quand vous voulez passer en force comme ça, c'est un pari. C'est-à-dire que soit ça passe, soit ça casse. Hein. Faut le tenter, hein. De toute façon, vous avez pas le choix. C'est soit ça, soit on se fait toucher, donc... j'ai envie de dire, no care, on y va, quoi. Donc là, une pièce. Ah oui, la salle du boss, ok. Franchement, je suis certain qu'il y a un rocher de dégâts de rock. Du club fly, c'est pas méchant, mais c'est chiant. Du coup, une petite bombe aurait réglé le problème, mais là, j'en ai déjà pas pour faire péter les rochers. La chiantitude. En plus, on a deux boss. C'est magnifique. Et on est où là? On était sur le basement 1 ou quoi là? Ouais, basement XL. Mais par contre, HP up encore. Putain. Monstro. Le monstro de tous les monstros. Coucou, je suis là. C'est un monstro noir. Et puis il est plus gros celui-là. Hein. Viens là, viens là, pépère, viens. Viens là. Ouais, oh, je t'aime bien, monstro. C'est un bon boss, monstro. C'est un brave gars, c'est un bon gars. C'est un bon gars, monstro. Tu vois, c'est le mec. C'est le bon gars. C'est le bon gars du cru. Il est sympa, lui, tu vois, c'est... Bon, il a une drôle de gueule, mais bon. En même temps, j'ai envie de dire... on peut pas punir tous les gens qui ont des drôles de gueule, hein. Parce que sinon, on n'est pas rendu, hein. Voilà. Donc, pour une fois que je me fais pas enfler sur les Devil Rooms, alors que j'ai un dommage up. Et ça, c'est... Alors, dis-moi que... Ok, j'ai eu peur. Ouh là 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 là. Alors là, c'est extraordinaire. Puisque je vais voler... Dommage up. Ouais. C'est parti. Donc là, c'est hyper risqué ce que je fais là. Donc ça me redonne des cœurs. Ah, c'est vrai que ça me donne pas de cœur rouge. Tant mieux. Donc là, j'ai plus de dommages. Tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Voilà, 4 de dommages, c'est parti. Là, c'est la fête. Ouh là 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 là, calmez-vous. Et puis c'est vrai que je vole, moi. Alors qu'on a un petit Jean Rock encore en balade, là.
Même avec 4 de dommages. Les salles ici, voilà. On est déjà plus sur du basement. Ah, j'ai pas de... Oh putain, l'arnaque. Moi, c'est pas les verts qui m'énervent, c'est les rouges. Ils vous shootent de super loin. Les verts, on peut les... On peut les manipuler un peu, mais alors... Les rouges, c'est l'arnaque. Mes clés au fait. Tiens, allez hop. Mais c'est fini, oui. C'est pas passé loin celle-là. Une petite bombe, c'est bien. Je vais attendre avant d'ouvrir le coffre rouge parce que avec la chance que j'ai ça va être des araignées ou je ne sais quoi. Voilà, bah, je m'en doutais. Bon, il y a quand même une bombe. Du coup on a un rocher bien sympathique. Dis-moi que c'est du dommage. Non, de la vie, bon. Enfin, des cœurs. C'est quand même cool. Ah, un cœur noir, cool. Une salle de reroll ou une... Ok. Oh, l'arnaque. L'arnaque. Donc, je pars reroll. 5, je sais plus ce que c'est. Je retiens jamais. Donc, toi, t'es un peu relou. Hein. Comme d'habitude, voilà, t'es relou. T'es relou, t'es relou. Hein. Tu changeras pas. Voilà, bah, ça, c'est le talent. Hein. Là, je les vois mal avec les taches. Mongo Baby, ouais, c'est bien. Pas extraordinaire, mais c'est bien. Au moins, c'est pas anecdotique. Parce que, au moins, il fait du dégât. Bon, je vais pas trop me plaindre parce que le premier deal était quand même pas dégueulasse du tout. Hein. Stopwatch. Stop rien du tout. Tiens, allez hop. Donc faut prendre toute la vie avec... faut pas jouer avec le feu avec... à moins d'être un excellent joueur, ce qui n'est pas mon cas. Avec... Blue Baby. Faut prendre avec tous les cœurs bleus, gris, enfin... Ce que vous voulez qui traîne. Parce qu'on n'a pas accès au... Donc, même dans les boutiques, c'est bien de les prendre, les cœurs. Sauf si vous êtes blindé, bien sûr. Oh, vous êtes des gars super vénères. Ah oui, ça c'est bien parce que ça fait des larmes plus larges, vous voyez. Ok, c'est cool. Je pense pas que ça augmente les dégâts, mais ça augmente le... Putain, mais il tire super loin, ce mongol. Où. Ah oui, bien. Ah oui, alors là, bravo. Saloperie. Alors là, il apparaît juste pour me faire chier. 30 secondes, même pas, et boum. Voilà, adieu la salle. Voilà, bien évidemment. Quelle chiotte. Bon. Bon. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore un cœur gris supplémentaire. Et j'ai gagné un cœur noir, donc ça c'est bien. Mais par contre, la salle de deal, je me la suis mis bien comme il faut, quelque part. Je la sens.
Non, ça, je m'emmerde pas avec ces coffres-là, moi. Rien d'intéressant, à part un peu de thunes. Un peu de... Les clés, vous allez me dire. Calme-toi. Ouais, ouais, super. Bon, moi, je m'en fous, je reviendrai pas dans cette salle, donc je peux chier ici. C'est très élégant. Donc là, il nous faut plus de DPS, bien évidemment. On va pas aller à le Lemb avec seulement ça. Faut un objet ultra pété. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en temps normal, je le prendrai pas, mais vu que j'ai rien d'autre. Ok, donc les salles... Je cherche même pas les salles secrètes. Voilà, super. J'ai pas mal de thunes, donc je m'en fous. Va chier, toi. C'est super les pilules que j'ai. C'est grandiose. Faut que je fasse gaffe à pas me manger les mouches là. Enfin la mouche. Lovers. Lovers. Bon, je n'ai absolument rien à carrer. Allez voir papa. Salle d'arcade, pourquoi pas? Histoire, voilà. L'arnaque? Je sais même pas ce que j'espère, là, une carte. Bon. Ouais, merci de me rendre une bombe en plus de celle que j'ai dépensée. Putain, les enfoirés, alors eux, hein. C'est pas bien malin de se foutre dans un coin comme j'ai fait, mais bon. Oh, j'aime pas ça. Bon, à la limite, je préfère ça. Dans le monstro. L'objet à 15, c'est quoi? Tiens, il doit y avoir une stopwatch. Je suis pratiquement sûr. Black Candle. Bon, au moins, si on se retrouve dans le noir, on y verra clair. J'ai envie d'aller prendre le deuxième objet, du coup. Histoire de pas me faire enfler complètement. Oh putain! Ah bah oui, la Black Candle, du coup, ça permet aussi de voir... Attendez... Du coup, ça annule la malédiction. Donc, ce qui n'est pas si mal, puisque j'ai pas pu acheter le... J'ai pas été obligé d'acheter le... Le bocal. Ça, c'est de la merde, vite. Donc ça, c'est une gurdie spawneuse de... De merde. Ça s'arrête là. Donc, JL, mais en fait, c'est quoi? C'est même pas si c'est un...
un mâle ou une femelle, quoi, cette bestiole. Donc là, j'aime pas ça. Ok. Salle de deal. Dis-moi que c'est pas un Krampus. Ça ne m'intéresse pas. Bon, ça va, c'est pas si catastrophique que ça. On se dépêche. Pas de boss rush, hein, bien sûr, je l'ai déjà fait, mais bon. Vas-y, fais-toi péter. Là, ici. Putain, mais tu sais pas viser, mon gars. Faut que je fasse le travail moi-même, quoi. Ah, bravo! Félicitations. Retire ce que j'ai dit. Oula, là, bonne ambiance, bonne ambiance. Le DPS va nous manquer. Ce genre de salle de merde. Doucement les gars, doucement. Vous précipitez pas là, je vous sens. Voilà. On se calme et on boit frais. La salle de l'objet qui est ici avec un spawner au milieu, saloperie. On va faire ces trucs là parce que... Voilà. Bonne ambiance. Ok, sticky fit, ouais. Bon, au moins, je suis pas sur un XL là, non. J'ai pas trouvé la boutique par contre. Donc du coup, ça c'est pas cool. C'est pas cool les gars. Bon, attendez, on va essayer de pas gaspiller de clés. Non, j'en veux pas. Allez, boutique, super. De la merde, ok. Cœur, ça va, je suis pas... Je suis pas à la rue, hein, niveau cœur. Niveau bombe aussi, niveau clé aussi, donc on est bien. Ouais, bah ça par contre c'est beau. Je vais te faire la petite salle à gauche quand même. Non, j'en veux pas. Je sais même plus ce qu'elle fait, la langue de Judas. J'aurais pu explorer un peu plus, mais... J'ai pas envie de perdre de temps, en fait. Putain! Je me suis pris sur la gueule! Bon là je peux dire adieu au Devil Room. Je voulais lui envoyer Monstro et cet enfoiré il a bougé au moment où je m'étais je lui ai envoyé Monstro. C'est ça le problème avec ce boss de merde. Et en plus ça a tendance à s'énerver très rapidement. Ah, ça c'est bien. Hein. Oh là là, espèce d'enfoiré. Quelle grâce, quelle classe. Évidemment, pas de Devil Room. Hein. Je pense que ça va être pénible contre The Lamb. Dev 2 déjà. Incroyable. Il est venu se précipiter sur moi. Sur les pics.
Manque de dommages, manque de dommages. Pas de run, pas de run dégueulasse. C'est bien dommage. Non. Oh les jumpers, alors ça c'est mes potes ça. Et voilà, j'ai toujours été très pote avec eux. J'ai toujours été d'entente réciproque, cordiale. Merde, je l'avais pas vu le blanc. Oh, c'est beau. Wow. Qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous me faites? Il va péter lui. Faut pas que je reste à côté quand je vais le péter. Voilà, je m'en doutais. Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai rien vu ici. Pas de boutique. Pas de. De salle d'objets. Ah non, ça c'est de la merde. Exagérer les gars. Voilà, bah oui. Hein. Je devrais pas me coller au mur quand je vais faire assez saloperie. Et là, je manque cruellement de dommages. Contre Mom, ça va être terrible. Que du bon. Allez, encore mes potes jumpers. Incroyable, il m'atterrit dessus, mais c'est énorme. Je n'ai même pas le temps de le voir arriver. Voilà, saloperie. Taurus, donc ça c'est bien. Par contre, je suis lent. Mais, genre très lent quoi. Au bout d'un moment, je vais avoir la rage qui va monter en moi. Comme là. Voilà, dépêchons-nous. Voilà. Ça dure pas longtemps, mais... Ça permet de se faire suffisamment plaisir. Quelle arnaque! J'ai quand même allé. Vu que c'est la dernière salle. C'est le dernier floor avant Mob. J'ai quand même envie de visiter un peu. Le talent. Et j'ai pas déjà vu la boutique? Ah non, c'est. C'est l'objet que j'ai vu. Voilà. Hop. Pourquoi j'ai pris ça? Accident. Je ne voulais absolument pas prendre ce truc, cette bombe dont j'ai absolument pas besoin de Hungerman. Je vole déjà de Star. On s'en fout, on a déjà trouvé l'objet et il n'y en aura plus à l'avenir. Donc des cartes vraiment anecdotiques qui ne servent absolument à rien. Un petit joker, non? Non. De foule? Non.
C'est bien pour sortir de la salle de môme, mais là, je vois pas ce que je ferais. À vouloir ressortir de la salle de môme, ça n'a absolument aucun intérêt dans le cas présent. Une fois que j'aurai battu môme, en espérant que j'ai une petite salle de deal, c'est tout ce qui m'intéresse. Plus rien à y faire à cet étage. Ouais, c'est beau. Tiens, prends ça. Et c'est parti. J'y crois tellement à mort. Ah, une raid mom en plus. Donc mon monstro, j'imagine que je pourrais pas pouvoir l'utiliser. Montre-toi. Voilà. Ça n'aura pas servi à grand chose. Hein. Donc là, la Devil Room dans l'os. Pourquoi j'utilise pas ça? Bah, tout de suite mieux. Mais c'est incroyable ça! T'es pas censé être un peu plus vénère que ça Oh. Bravo. Incroyable, je vois même pas son ombre. Mais incroyable ça. C'est pas... Ah c'est une salle de deal quand même. Avec un petit Krampus des familles. Voilà. Ça te dit. T'as vu, t'as le bonjour de Monstro. Je sais pas ce que t'en penses. Il est sympa, Monstro. Voilà. Donc là, le Krampus Rage est plutôt le bienvenu. The World, ça va être bien. Mais je vais pas m'en servir maintenant. Cette rencontre amoureuse entre Monstro et Krampus, c'est beau. Cet accouplement forcé. Donc ça, c'est un peu de la merde, quand même. Oh, cette lenteur. Je perds du temps. Un cœur. Pas de DPS, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça, quoi? Ouais, c'est fini. Ça dure pas longtemps, hein. Bon, faut pas que je me fasse toucher, sinon c'est la mort. Mais attendez, pourquoi je m'emmerde? Voilà. Et j'ai même pas tué tout le monde. C'est beau. Oh là là, mais 4 DPS, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça va être comique, hein, je vous le dis, hein. Mais c'est pas juste, quoi, putain. Ouais, Amnésia, c'est bien le moment, ouais. Ça va vachement me rendre service. Regardez-moi cette lenteur. Ah oui, puis alors ça, ça va vachement me rendre service. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'était beau. C'était beau, c'était la run avec Blue Baby. Et moi, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, en faisant un peu moins du caca. Ciao, à plus.